Nous sommes dans le royaume des grands 4x4. Le Land Cruiser y a une place d'honneur puisqu'il existe depuis une soixantaine d'années et qu'il s'agit ici de sa 7e génération. Il existe en 3 ou 5 portes, cette version bénéficiant d'un empattement allongé. Le Land Cruiser vient de recevoir un nouveau diesel 4 cylindres de 3 litres et 190 chevaux, disponible en boîte manuelle ou automatique. Notre finition haut de gamme Launch Pack Premium est bardée d'équipements de luxe comme un volant à réglage électrique ou une suspension pilotée à hauteur variable. Le plus original vient de ses caméras avant et latérales qui vous aident lors des passages difficiles en franchissement. Mais à côté de l'équipement pléthorique, la qualité des plastiques reste quelconque. Le Land Cruiser est un 4x4 pur et dur avec essieu arrière rigide, réducteur et blocage de différentiel. Un vrai franchisseur. Sur la route, le tableau est moins flatteur. Malgré des suspensions pilotées, la voiture ne brille pas par son confort et n'aime pas du tout être brusquée. Le 4 cylindres diesel est bruyant et la boîte automatique à l'ancienne manque de réactivité. Il y a de la place dans ce grand 4x4 de 4,76 m de long. L'espace aux jambes et à la tête sont largement suffisants. Chose surprenante, bien qu'il s'agisse d'un 4x4, le tunnel central n'est pas gênant. En revanche, la place centrale doit composer avec un dossier trop dur. Les dossiers sont réglables en inclinaison et la banquette est fractionnable et rabattable, assise comprise. Hérédité oblige, le coffre est à ouverture latérale. Par défaut, le Land Cruiser est livré comme ici en 5 places. L'option 7 places coûte 2 400 € sur cette finition haut de gamme. Sans les sièges arrière, le coffre est gigantesque avec plus de 600 décimètres cubes. Mais le seuil de chargement est très haut, vrai 4x4 oblige. Notez la présence originale mais bienvenue de cette prise de 120 volts. Ne confondez pas, ce Land Cruiser est un vrai 4x4, pas un SUV de luxe. Contrairement à eux, il n'est pas très à l'aise sur la route mais excelle en hors-piste. Malgré une cascade d'équipements, sa présentation et sa partie mécanique manquent du raffinement des X5 ou ML. Il n'y a que les baroudeurs qui ont vraiment besoin de capacités en 4x4 qui peuvent y trouver leur compte.